Allô? Ouais, allô, Lévi. Ouais, allô. C'est comment mon gars? Ouais, tranquille. Il y a une situation qui me fatigue, là. Dis-moi. Ouais, moi, je suis un boxeur et tout. Donc, Ah, t'es j'ai mon grand boxeur. frère aussi. Ok. Ouais, j'ai mon grand frère Ok. aussi qui est un boxeur. Donc, lui, il est en Donc, Afrique, toi, t'es un mais il vient boxeur. souvent. Ouais. Ok. Lui, il est en Afrique, mais il vient souvent ici pour boxer. Donc, T'es où? ouais. Moi, ici, je suis, moi, là, maintenant, je suis en Russie. En toi, t'es en Russie, mais ton grand frère en Afrique, il est au pays. Mais il vient souvent en Russie. Ok, d'accord, je t'écoute. Vous m'attendez là? Ça se coupe un peu. Hein. Allô? Oui, je t'écoute. Ouais, c'est Je un peu ça. t'entends. Donc, Vas-y, mon grand parle. frère, ouais. Dans la situation, c'est quoi? C'est qui me fatigue. Donc, mon grand frère, il a une amie qui est à Moscou. Moi, je suis pas à Moscou. Je suis dans une autre ville. Bon, souvent, quand il vient et qu'il finit les compétitions, on reste souvent un peu 2, 3 jours là-bas chez son ami. Donc, c'est une fille, quoi. Et voilà. Lui, il était rentré et moi aussi, j'avais une compète. J'avais une compétition. Alors, je m'étais rendu dans une ville. Qui est loin de Moscou, mais après la compétition, je m'étais rendu à Moscou et c'était quelques jours comme d'habitude. On reste souvent quelques jours chez son ami là. Et puis après ces jours, je peux rentrer chez moi dans ma ville et tout. Donc, j'étais là-bas chez son ami. Et du coup, chez son ami, il y avait aussi, il y avait son pote aussi, genre, la J'ai l'ami pote de ton de frère là. Ouais, Il avait donc son chez pote. l'ami de mon frère, il y avait son pote qui est aussi une go. Donc quand j'étais venu, elle m'a présenté, voilà, ça c'est ma pote et tout. On a commencé à parler, à discuter, mais en voyant la petite, elle était attirée par moi. Donc moi aussi, j'ai joué les jeux, les games, tout ça. Voilà, la petite, elle était sexuellement attirée par moi, tout ça. Et voilà, j'ai pris la petite. Le même jour, là même, j'ai fait ça. Donc, Même jeu après, qu'à Mougoussa. ouais, j'ai mis ça. Et on peut même pas l'état, même. Donc, voilà, Les filles là, c'est des bordels, hein. j'ai même pas le temps pour que si tu veux pas, tu quittes devant moi. Ok, d'accord, il y a feuille. Continuons. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, l'ami de mon grand frère là, elle était souvent en fait genre gentille avec moi, tout allait bien et tout. Mais depuis que j'ai mon goût la petite là, elle est devenue distante, tout ça. Ah, moi-même j'ai pas compris. Mais après j'ai quitté après 2, 3 jours, j'ai L'ami de quitté. ton grand frère là, l'ami de ton Ouais. grand frère là, à quel âge? Bon. Je sais pas vraiment son âge, mais je peux deviner, hein, genre deviner et Ton tout. grand frère à quel âge? Non, mon grand frère, il peut avoir 29 ans. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Ok, d'accord. Donc, un entre 24 et 29. C'est moi qui ai 24 et mon Non, grand frère, il a Qu'est-ce que tu 29 dis ans. là? La fille là, son ami là, l'ami de ton grand frère là, son âge là, c'est sûrement entre 24 et 29 ans. Non, 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 non. Elle peut avoir 26 ans, un truc comme ça. Mais toi, tu ne comprends pas ce que moi je dis. Hein. Je dis que la fille là, son âge se situe entre 24 et 29. C'est-à-dire qu'elle a soit Ouais. 24, Au 25, milieu, ouais. 26, Ouais, c'est ça. 27, 28 ou 29. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça même, oui, Ok, c'est ça d'accord. On peut continuer. même. Ouf, tu parles russe. Ouais, j'ai pas le russe. Il y a Ok, toujours le alors là, c'est russe. ça. Le français est fatigué un peu. Continuons, c'est pas grave. C'est ça en fait. Donc du coup je suis rentré dans ma ville, mais la petite là, je l'écris, elle fait bizarre. Donc du coup, l'ami de mon grand frère, je l'écris, elle fait bizarre. Donc ça me fatigue maintenant, je comprends pas. Moi maintenant, je commence à voir, genre c'est comme si elle était fan ou c'est comment. L'histoire même me fatigue grave. Je me suis dit de te poser d'abord la L'ami question. de ton grand frère là, Ouais, elle et elle fait toi bizarre maintenant. là, avant que l'ami de ton grand frère là, Ouais. avant que tu ailles Mougou la fille là, Ouais. elle et toi, vos rapports étaient comment? Bon,
j'ai été cool avec moi. Quand on sort, elle veut pas que je paye quelque chose. Elle est là, elle fait tout. Elle est cool avec moi. Mais Dieu, plus que j'ai... Ah, donc, c'est-à-dire qu'avant que tu allais dans les fêtes, là, elle et toi-même, vous vous voyez souvent? Non. Souvent, parce que moi, je suis dans ma ville. Je fais des compétitions. Attends. Dabaski.og, si tu n'arrêtes pas de commenter, au lieu de monter, il y a été bloqué. Dabaski, tu fais un PD à l'armée. Tu as mis emoji de PD là. Faut pas arrêter. Tu attends ton tour. Si je te vois encore, il était bloqué. Bande homosexuelle. Mon gars, continue. Ouais, donc c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Moi et elle, on a une très bonne relation. La relation, c'est quoi? Parce que c'est l'ami de mon grand frère. Donc, on parle souvent, même sur les réseaux, on tient tout ça, c'est, la vibe s'est posée. Mais il n'y a jamais eu quelque chose de relation sexuelle, quoi que ce soit, non. Oui, mais est-ce que vous vous voyez régulièrement? Non, régulièrement, non. Parce que moi, je suis dans une autre ville et voilà, elle est à Moscou. On se voit rarement. Ok. Mais au moins, en 3 mois comme ça, tu pouvais l'avoir combien de fois? Non, dans trois mois, si je pourrais l'avoir, peut-être une fois, parce que si j'ai la compétition, si j'ai une compétition et que je voyage, j'ai fait la compétition et après je pourrais aller chez elle et tout ça, une histoire de fêter, tout ça, on va un peu faire la fête, mais sinon à part ça, je suis dans ma ville. Ok, d'accord. Donc tu sais, c'est qui la fatigue? La fille que tu as mougoulée, elle est jolie que toi. Que elle. Quand tu les regardes, les deux, qui est jolie? Ouais, effectivement, c'est la fille que j'ai mougoula qui est jolie, oui. Ah, voilà. Il faut que tu en saches. Souvent, là. Les femmes, là, c'est quand elles voient que d'autres femmes, tu plais à d'autres femmes, là. Ouais. C'est quand elles voient que tu plais à d'autres femmes, là. C'est là qu'elle commence à voir que, mais depuis là, j'ai raté ma chance. Lui, il était dans ma main. Est-ce que quelqu'un est venu prendre ça? C'est... Tu comprends, non? Oui, donc, c'est pas comme si elle avait un intérêt pour toi avant. Mais le fait que la fille là est venue maintenant, et puis tu as mougou la fille là rapidement. Et maintenant, elle commence à voir que, en vérité, tu es jolie. Hein? En vérité, tu as des qualités. Hein? Elle commence à voir maintenant tes bons côtés. Ce qui lui donne, en fait, comme on appelle ça, la haine. Parce qu'elle croit qu'elle a raté sa chance. Donc là, elle est en quelque sorte jalouse du fait que toi, tu as couché avec sa camarade. Donc maintenant, de là, tu vas voir que maintenant, elle va commencer à être fan de toi. Tout ça va se faire. Parce qu'elle est fan de toi maintenant. Mais j'ai envoyé un message, elle m'a laissé en vie. Oui, c'est pour te faire comprendre qu'elle n'est pas contente de ce que tu as fait là. Genre, elle me laisse en vie. Hey, je ne vais plus jamais l'envoyer une autre message jusqu'à ce qu'on va se retrouver au paradis. Oh, et c'est bien. Moi-même, je joue. Parce qu'elle t'a laissé en vie, elle pense que tu vas insister. Tu comprends? Ouais. Elle pense que tu vas insister. Sa camarade, là aussi, ne te répond plus. Hey, son son ami, ça va, c'est tranquille, tout va bien. Mais la camarade, elle te répond, non? C'est que ta mougoule, elle te répond. Ouais. Elle ne peut pas répondre. C'est que la camarade de ta grande soeur est jalouse. De ton grand frère, elle est jalouse. Hey, je l'ai bien même soulevé. Même. Moi, je rigole pas avec ça. Elle ne va pas répondre, elle va aller où? Donc, forcément, elle a parlé de toi à la camarade de ton grand frère. Là. Ah. Et la camarade de ton grand frère, là, maintenant, il y a jalousie maintenant dedans. Donc, elle est jalouse. C'est ce que tu vas faire là. Elle t'envoie, mais elle ne répond pas. Non. Tu ne causes plus elle. Il ne faut pas supprimer son numéro. Hein. Forcément, un jour, elle va t'envoyer un message ou bien elle va t'appeler. Ouais. Le jour, je vois ça. Elle t'envoie un message et puis elle t'appelle là. Tu réponds pas. Ouais. Si elle t'envoie un message, tu regardes le message, tu laisses en vue. Tu lis pas aussi. Ouais. Ou bien. Non, tu lis, mais tu réponds pas.
Oui. Elle n'a qu'à bien voir que tu as lu, mais tu ne réponds pas. Et si elle t'appelle, si elle t'appelle là, tu décroches. Oui, ça va, tout, laisse-moi te rappeler. Actuellement, ici, un peu occupé. Tu ne rappelles plus. Tu comprends, non? Ouais. Son ami même, c'était avant-hier, son ami a voulu jouer des petits shit tests, tout ça. Ah, je l'envoie un message comme ça. Elle lit ça, mais elle ne veut pas répondre. Ah, elle m'a laissé 2 heures du temps après, elle vient répondre. Eh, hey, c'est mal me connaître. Elle ne me répond comme ça, je l'ai laissé toute la journée. Je l'ai laissé toute la journée. Je l'ai laissé toute la journée, je l'ai répondu hier soir. Et donc, genre, aujourd'hui, et je lui ai répondu le lendemain soir. Elle me demande, tu faisais. Tu ne devais même pas répondre. Quand comme ça, dit, j'étais occupé. Elle commence là, tu ne dois même plus répondre. Jusqu'à ce qu'elle va dire. Tu comprends? Ça, c'est comme ça. Ouais. Tu ne dois même pas répondre, tu comprends? Jusqu'à ce qu'elle va dire. Tu comprends un peu? Ouais, tu me suis? Jusqu'à ce qu'elle va t'envoyer un deuxième message. Là, maintenant, ouais, tu réponds et puis tu fais semblant. Non, elle est occupée. Oui. Tu ne devais pas répondre. Oui. Non. Elle m'a envoyé le message et après, elle m'a encore envoyé plusieurs messages, donc genre 3-4 messages comme ça. Elle m'a envoyé le matin, le soir, elle m'a envoyé. Après, elle m'a souhaité encore bonne nuit la nuit. Donc, du coup, je lui ai répondu le lendemain soir. Ok. Elle m'a demandé. Donc, elle m'a demandé genre, tu étais où? J'ai dit non, j'étais occupé. Tu étais occupé, tu faisais quoi? J'ai dit trop de choses, tu peux pas comprendre. C'est bien. Donc, c'était ça. C'est qui me fatiguait. Il a monté tout de suite. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, tu comprends? Ça va, elle peut répondre à la question. Dieu merci. Ok, Dieu merci alors. Ok, alors ensemble, mon gars, prends-toi bien. Les gars, il va prendre Dabaski là. S'il n'a rien d'intéressant, il va prendre qu'est-ce qu'il a cru. Et puis, il y a un de mes gars qui a monté, il va faire 5 minutes. Et puis, vous allez Dabaski là. Si ton histoire, tu as 3 minutes pour me faire comprendre que ton histoire est intéressante. Si ton histoire n'est pas intéressante, tu descends en même temps. Il n'y a même pas pitié de toi. Qu'est-ce que tu as cru? Calme-toi. Alors, bas à niveau. Tu as raté ça. Mais si tu n'as pas vidéo, tu descends. Allô. Je lui ai dit, si tu n'as pas vidéo, comme tu vois mon visage là, si moi je ne te vois pas, tu descends. Il a bougé. On est ensemble. Bonjour, mon vieux. Tu vois pas ton visage, tu sais, non? Non, mon vieux, on est espérant que tu m'as quand même devenu bon. Tu vois, mon vieux, c'est mon vieux, c'est. Ok, tu es mon fils. Toi, tu es mon fils. Tu es mon fils préféré. Mais d'abord, il est trop Djaouli. Il est Djaouli. Non, il est Djaouli. Donc, il aura descendu mieux. En plus, il n'a pas de caméra. Parle-moi. Mon vieux, c'est que tu as l'air d'enfouiller. La petite est venue. Petit, alors, ce qu'elle dit, vous n'avez plus besoin de féticheurs. Vous n'avez plus besoin de lancer courrier. Et si là, il y a toutes les techniques dans mon sac. Si tu écoutes seulement pour faire ce qu'elle dit, ça va prendre. Explique-moi. J'ai dit à vous, déjà, il y a des cryos, tu vois, non. Donc, la petite, elle joue un message, tu vois, non. Elle m'a envoyé que toi, tu vois, elle m'a envoyé toi. Je n'ai pas répondu. Après, elle m'a envoyé que, ah, vraiment, je suis désolé pour ce qu'elle fait. Il dit, ah, je m'en répondu vers les 23h par là. Il dit, ouais, je viens. Mais tiens, on va beaucoup à la boutique, hein.
C'est ma gosse. Ça, t'es fake. Non, ma gosse. Mais c'est pas une passe. Pas. Non, mais. Mon vieux, moi, j'ai un gota, mais tu sais. Il connaît. Ok, branche-moi. Donc, on l'espère. La gueule est venue s'excuser tout, tu vois. Non. Donc, il n'y a pas de problème. On a commencé à dîner, tranquille. La gueule est venue chez moi. Et je l'ai bien, tu vois. Non. Tranquille. En tout cas, il est gravité tout fort. Mais la vie d'un la vie d'un esprit, tu vois. Non. Donc, elle est venue. Il lui a envoyé un message à la lettre de bois. Il a fait le contraire de ce qui était dit là. Elle a l'air de bois. Elle est excusée. Ah. Elle est mise bien, monsieur. Elle est mise bien, tranquille. Il y a quoi faire. C'est la première fois. Mais pas si vite. Je suis trop content. Il est trop content. Mais elle est tranquille. Ce week-end, on va dire à partir ensemble. Elle va payer le wedding. Oh, il est à fond. Tranquille. Il est tranquille, mon vieux. Il est tranquille. Non. Mais à part ça, là, week-end, on va dire à partir. Mais il faut que tu étudies aussi un peu. Non, mon vieux, tu dis, mon vieux. Tu sais que. Faut étudier un petit. Mon vieux, là, tu n'as pas bac. C'est ça qu'elle soit. Sinon, si tu as bac, là, tu peux continuer à sonner les petits. Moi, si elle était un comme toi, mais étudier un peu à côté souvent. Là au moins, mon sort. Ma vie de base, elle est 12. Ou bien. Moi, tu dois avoir moins. Avec elle. Donc, faut te concentrer un peu. Week-end, tu t'en elle, tu t'en vibes, tout. Mais dès que tu es un petit temps là, faut causer elle. Tu la prends, tu causes elle. L'autre temps, tu travailles. L'autre temps, tu causes elle. L'autre temps, tu travailles. Tu jettes tes mains, tu causes tes frères, tu travailles un peu. Tu vois un peu, non? Oui. Oh, mon vieux. Fils. Sinon, mon vieux, un esprit. Hein. Moi, mes gens, ils m'ont le goût du lundi où ça m'y va pour pas bac. Tu vois, non, d'accord. C'est le soir pour. Ça prépa bac, c'est bon. Ah, ouais. Moi, je vais étudier depuis les week-ends, tu te gères. Exactement. Sinon, j'ai du lundi, ça m'y va. Tu vois, je me repose. Donc, après, il vient. C'est normal que je sois dans des directs parce que je me repose. Genre, le matin, il a dit je suis sur mon choix. Donc, le soir qu'il vient, quoi. Juste dans des directs tranquilles, tu vois, non? Oh, ça bug. Non, mon fils, ça badait pas, il t'entendait, c'est pas, il est en train de répondre à un message. Ok. Sinon, mon vieux, il m'a au secours du lundi, samedi, le dimanche, je suis tranquille. Donc, ce qui fait que, genre, le matin jusqu'à la nuit, il bosse. Donc, les 20h, 21h, genre, il est temps pour me reposer, reviser un peu. Voilà pourquoi j'ai toujours des DM, tu vois, dans les lives, tu vois, non. Sinon, il bosse, mon vieux. Non, c'est bon. C'est bon, je connais, non. C'est pour me moquer de toi un peu. Sinon, tu vas, tu étudies tes mouvements, tout. Bas de maintenant, c'est pas dur. Donc, si tu as bossé tes matières de bas, tu as bien fracassé là-bas. Les gens, ça te gère 9-10, tu as agence, tu as un bac petit. Non, moi, je suis pas dans 9-10, moi, je suis 14, je suis pas dans 9-10. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Toi, tu as un bac là, petit. Comme toi, tu as un bac, mon fils. Tranquille. Comme toi, tu as un bac. Si tu as un bac, toi, on vient les mougou maintenant. C'est pété chier. mauvais mon vieux. Voilà, donc force à toi, mon fils. Sinon, là, quand tu as bien barré, tu as bien compris tes leçons, tant t'as amusé, tu t'en fous. Ah, il est juste. C'est que forcément, ton cœur n'est pas mort. Mauvais. Voilà. Sinon, il y a faux. Ça apprend. De la... Tu sais que là, les enfants qui ne sont pas bandits, ils sont bêtes. C'est ça, c'est clair. Si ton enfant n'est pas bandit, là, faut avoir peur. Et c'est un enfant bête. Enfants qui sont intelligents, ils sont toujours bandits. Et c'est ce qui est bon. Donc là, mais le banditisme aussi, là, tu sais que là, eux là, quand tu es bandit, ils pensent que tu es bête. Donc, faut toujours, c'est qu'eux pensent qu'ils sont forts dedans. Tu t'es canalisé un peu pour bien comprendre
Et puis il a montré que oh, non, ça amuse, mais en esprit un peu. C'est pas on va se concentrer sur ça. Tu vois un peu le giga, non? Non, mon vieux. Voilà. Donc, compte sur toi, bac là. C'est quand tu t'en passes ça? Mon vieux, il y aura le lundi, non? Le lundi, cette la semaine prochaine, finit le lendemain de la tabaski, mais donc, moi, je les écoute. Donc, lundi prochain, il y aura le. Voilà. De anglais, et puis espagnol, les oui, contre français. Donc, c'est qu'il faut te concentrer, tu as touché un peu, mon fils. Concentre-toi et compte sur toi. C'est que tu as venu à ça. Mon verre, tu connais. Non, fort, mon fils. Pas toi bien, non, tu connais. Ça, moi, tu viens en live. Voilà, mon fils. Mes petits là, concentrez-vous si bas que mes petits. C'est mieux quand tu as bac pour un petit crabe là, il peut rien dire sur toi. Non, mon fils, c'est le Seigneur qui me protège à l'aile là. Hein. Oui, vous devez me protéger, mais à tout prix. Il n'est pas créé un nouveau compte, c'est le compte fan. Tout ça là, c'est le compte, ça fait monter ma présence en ligne. C'est pas un problème. Mais seulement qu'il ne faut pas que quelqu'un va vous demander là. Hein. Faut pas que quelqu'un va prendre mon compte pour vous demander là, c'est pas moi. De la manière dont on va un message, que salut c'est Betika, ou que salut c'est truc, comment on appelle ça, Lil Wayne. Et si dans un avion qui va bientôt exploser, faut m'envoyer là, ça c'est pas moi. Moi, ils font mes formations, ils font mes livres, tout. S'il y a quelque chose, ils vous disent ça si mes comptes. Mes comptes là, vous les connaissez. Mes comptes que j'ai là, c'est les comptes qui ont le plus d'abonnés la majeure partie du temps. Mes comptes personnels là, c'est les comptes qui ont le plus d'abonnés. Vous voyez un peu, non? Voilà, ok. Allô mon gars, désolé. On dit quoi? Tu dis quoi? Je t'entends pas, pardon, fais enlever ton casque. Ok. C'est comme ça que je suis dans une petite situation qui me donne attention. En fait, je suis dans une petite situation. Je t'explique. Oui. Et dans la cité universitaire, la question, bon, je vous fais une fois. Tu vois? Et quand tu as. En fait, la connexion est bizarre, hein. On n'entend pas bien. Allô? Allô? Oui, je disais ceci. Actuellement, je suis dans une cité universitaire et je framponnais une petite. J'ai une relation avec son gars et moi, j'ai mes dossiers que je dirais. Quelque après, je me suis un peu éloigné de la cité, j'ai pris un congé de 3 mois. Quand je reviens du congé, je me rends compte que la petite, elle a déjà un nouveau gars qui vient. Parce qu'avant, tout au départ, le gars ne voyait pas le gars dans la cité. Quand je reviens, je vous constate que le gars, il est déjà dans la cité. Et constamment, il est là constamment dans la cité. Vous voyez, je n'ai plus causé avec rien. Mais pas qu'elle l'a laissé pendant combien de temps? 3 mois. Petit toi aussi, on laisse pas femme pendant 3 mois. Toi aussi. Ah mon Dieu. Dès que toi qui décolle en mettant Bluetooth mode, the Bluetooth device is ready to pay. Tu connais pas ce que c'est ça? Tu connais pas cette mélodie? T'as jamais entendu ça? Non, c'est qui vient de m'enseigner. Toi, tu connais pas les postes radio là. The Bluetooth device is ready to pay. Tu connais pas ça? Si les postes Bluetooth, tu n'as jamais entendu ça. J'ai entendu. Le même modèle là. Et toi, tu es au loin seulement, quelqu'un se connecte. Maintenant, tu fais quoi? Elle dit quoi? J'ai un cours de Pavel, depuis le cours de Pavel. La voix et j'ai du visage, nos contacts. Nos contacts maintenant quoi? Il n'y a plus rien. Elle-même ne réagit pas. Donc, elle rôde autour de moi. Elle sent comment elle rôde autour de moi. Partout, elle sait que je fais quand elle est là. Elle tourne. Mais là, c'est pas parce qu'elle rôde autour de toi que l'autre là va arrêter de la mougou.
Donc, elle peut venir prendre un coup chez toi pour te demander pardon, mais l'autre là va continuer de mettre ses coups dedans. Donc, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Ah, moi, je suis déversé dans mon coin, je ne veux pas. Ah, c'est mieux, je veux pas la c'est mieux, tu as te concentrer sur d'autres filles dans la cité université. Il y a beaucoup de filles dans la cité universitaire, non? Il y en a, un jour. La dernière fois, il t'a envoyé un commentaire là, que quand elle l'ignore, tu fais comment? Tu m'as demandé de rester tranquille. Un jour, beaucoup. Aujourd'hui, elle arrive. Demain, elles sont comme ça, elles sont comme ça. C'est pas facile. T'as passé une vidéo que moi, je fais là, tu comprends pas bien. Sinon, quand tu comprends une vidéo que moi, je fais là, c'est toi qui joues, c'est pas elle qui joue. Petit, faut commencer à soulever poids. Je soulève poids depuis. Attends, voir ton format de poids. Attends, voir. Tu l'as, mais tu ne soulèves pas toujours. Je ne soulève pas chaque jour, mon Dieu. Chaque jour. Moi, je ne fais pas. Je ne soulève pas le poids. Je fais les finesses là, non? Les finesses. J'exercice à la maison, là, comme musculature. D'accord. Mais là, je ne sais même pas été donné quel conseil. Mon petit. À l'université, qu'elle a là, après la fille là. Tu ne peux pas trouver une autre fille qui a t'aimé. Bah, il y en a des filles jusqu'à... Donc, il faut te concentrer sur elle. D'accord, mon Dieu. Elle, il faut la laisser. Combien tu as causé toi, il faut causer elle. Mais il faut bien regarder mes vidéos qui sont sur YouTube. Là. D'accord. Il faut bien regarder mes vidéos là. Parce qu'elle vous explique beaucoup de choses aussi dans les vidéos là. En tout cas, pour les bases, pour les gens qui sont là, elle vous explique un peu les bases. Va. Aujourd'hui là, tu dois avoir au moins 2 vidéos dans la journée. Pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Tu dois avoir 2 vidéos par jour, si mon compte, pour pouvoir bien comprendre. T'as compris? J'ai compris, bien. D'accord, on en somme. Merci. Ok, les gars, il fait monter un de mes gars, il va vous aider même. Il essaie de faire monter un de mes gars, il va vous aider. Il va vous donner un conseil avant qu'on continue. Il va vous parler pendant au moins 5 minutes. Maintenant, c'est comme ça. Il va vous faire les apparitions. Vu que mon seul ne peut pas tout faire, il a fait les apparitions pour que vous puissiez être concentré. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Vous-même, vous savez, on ne parle pas que des femmes dans mon contenu. Ce n'est pas femmes seulement.